êtes monsieur ? Pascal Serre. Nous habitons à Coulanges, à la limite du département, à côté de Dinoire, au bord du Loire de Loire et du canal latéral à la Loire, au bord de la Loire verte. Nous sommes agriculteurs sur 90 hectares. Nous exploitons des bovins, ovins, porcs bernières et puis un atelier de transformation dans le CE. Et nous vendons surtout sur les marchés. Nous avons 6 marchés par semaine. Donc les marchés locaux, Paray-Monial, Digoin, Guenon, donc la Surbet, Marcigny, et puis ici à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc on trouve tous vos produits. Voilà, on fabrique toute la charcuterie 100%, assez, le plus naturellement possible, sans sel nitrité, sans conservateur. La volaille, on va commencer la volaille dans quelques temps. Ah ouais. Mais bon, le temps va être tout en place. Ben, on vous remercie et puis bonne continuation. Je vous remercie, on va essayer. Merci beaucoup. Monsieur Ozel. Ozel. Et donc vous nous proposez des vêtements. Des articles de confection, fabrication française, le laboureur. C'est une usine qui est en Saône-et-Loire. Et ça fait une quarantaine d'années que je suis représentant de cette marque. Sur le marché de 10h tous les 15 jours, autrement le marché de Moulin le dimanche et le vendredi. Alors je viens de Saint-Ouen-sur-Mer et je suis donc producteur, maraîcher producteur et je viens donc à Yver depuis, j'entame ma troisième année. Troisième année, vous venez qu'au printemps? Pour l'instant, je venais qu'au printemps. À présent, je suis venu permanent, je vais venir à Yver pour compléter. D'accord. Donc je serai là jusqu'en octobre pour les présentations. Okay. Des plants de fleurs, de légumes. Plants de fleurs, légumes, et après je vends mes légumes que je cultive. Tout à fait. Et là, c'est avec le temps des tomates, c'est ça? Voilà, petit échantillon. Donc, le 20 avril, hein, donc il y a Montfavé, Donna, cerise, et puis après il y aura Marmande, Saint-Pierre, Noir de Crimée, enfin, des variétés qui se font. Alors, la meilleure époque pour les planter les tomates? 15 mai. 15 mai, ouais. Yeah.